du coup, en fait, je voulais savoir c'est combien de temps tu suis un blogueur. Une quinzaine d'années. Et qu'est-ce qui t'a apporté du coup à venir voir des idées? Écoute, beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances du stade. Et la passion du métier, quoi. La passion du stade, la passion du terrain, du public. La passion sur le terrain, le maillot rouge et bleu. T'as des bons souvenirs, des belles anecdotes à nous raconter, ben, tu fais un. Je crois que j'ai pas eu la chance de connaître le Camp Bézi et remonter le funéral avec lui, ça a été quelque chose. Ça a été un grand moment. Un grand moment parce qu'une belle ferveur avec des. Pas beaucoup de monde de stade. Voilà, quand on est allé à Montoura. Les déplacements, tu les fais régulièrement? J'essaie. Mais bon, voilà, c'est compliqué avec la ligue qui contrôle les matchs qui est devenu là-bas, se organiser pour pouvoir décoller. Tu vois, ça. On est le vendredi après-midi ou tout comme ça. Après, voilà, avant, on faisait Narbonne, bon, mais c'était plus gros. Perpignan, c'est plus gros aussi. Florent Carcassonne, Montauban, sur peu. C'est compliqué avec le niveau. Pour en revenir au match là, de ce soir, est-ce que tu peux me dire ce que tu as raconté? Écoute, c'est le premier match. C'était poussif, c'était compliqué avec une belle équipe de Sauveur Angoulême. On va venir là pour faire la résultat. Et bon, allez, écoute, on gagne. Voilà, ça aurait pu tourner dans l'autre salle, ça aurait pas été volé. On va retenir ça. Et sur le match, à ton avis, pour toi, les joueurs qui se sont mis. Moi j'ai vu beaucoup de Roches. Les Roches, Best, au-dessus de. Après, ben, tu sais qu'il y a un gros turnover sur l'effectif. Et que, ben, il faut qu'ils prennent leur photo. Mais les cadres étaient là, Fernandez devant, Pinto, énormément de talent. Tolio a été bon, tu vois ceux qui étaient là et ceux qui viennent d'arriver, qui à mon avis. Bon. Ah oui, il va avoir un peu plus de temps. Bah écoute, super, merci. Donc tu te retrouveras sur le prochain. Bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt.